ça se crispe, j'ai envie de dire, puisqu'on menace les gens effectivement avec leur téléphone. Ceux qui regardent encore leur écran, on leur dit éteignez-le. Et les tireurs d'élite dans les coins. Il y a effectivement 2-3 snipers effectivement dans les sommets du studio 4 de Flagey. Et d'ici quelques secondes, Elie Sauvière-Saladzé devrait descendre les escaliers du plateau du studio 4 d'une belle salle de nouveau ce soir. Ça aurait été quand même une belle fête au piano, hein, ces pianos des. Ah, magnifique. Et puis on en a bien profité. J'espère que vous aussi derrière les ondes. Voilà, Elie Sauvière-Saladzé qui entre en scène sous les applaudissements du public du studio 4, délicatement, avec une longue jupe noire. Elie Sauvière-Saladzé, c'est donc une dame géorgienne de 80 ans. Vous entendez, hein, les applaudissements redoublent à l'approche du piano. Elle sourit. Elle a quelque chose de très chaleureux. Elle s'assied au piano et voici donc la deuxième fantaisie de Mozart.
La pianiste Elise Virsaladier qui salue le public du studio 4 à Flagey, puisque tout le monde est en direct pour cette soirée de clôture des Flagey Piano Days. Voilà, vous entendez encore les applaudissements. Elise Virsaladier qui quitte la scène. Je ne sais pas si on nous donnera un bis, j'aimerais bien. En tout cas, elle quitte la scène après cette grande sonate hein, en do mineur de Mozart. Qu'elle avait directement enchaîné avec la fantaisie en do mineur, comme il est d'usage. Là, elle l'avait particulièrement enchaîné. Ouais. Et justement, on a eu droit à une bonne heure de musique, hein, non-stop. Elle s'est à peine arrêtée pour saluer, et encore très brièvement, pour enchaîner les variations de Mozart, ses fantaisies de Mozart, de Nocturne, de Chopin. Et puis cette sonate ici pour clore son récital, qui est aussi le concert final des Piano Days ici à Flagey. Un studio 4 bien, bien rempli. Qui rappelle la pianiste géorgienne sur le plateau. Et elle revient saluer, suivie d'un caméraman et de toujours la dame avec ses fleurs. C'est pas la même qu'hier. C'est la même dame chaque fois. Non, que c'est pas la même, c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Elise Virsaladze qui revient. J'ai même pas envie de dire la pianiste, c'est la musicienne. En fait, le piano avait disparu, on n'avait que de la musique ce soir. C'était un fabuleux récital, fabuleux moment. Ah, c'est une leçon pour bien des pianistes que d'entendre quelqu'un jouer avec tellement de liberté. Oui. Finalement, ce sont parfois les plus anciens qui nous apprennent ce que peut être la modernité aussi. Hein. Et le public ne s'y trompe pas puisqu'il est debout ici au studio 4 de Flagey. Pour féliciter, pour remercier surtout Elise Virsaladier. Et qui s'assied au piano, nous avons droit à un bis.
Une mazurka de Chopin en bis pour Eliso Virsaladze, qui avait donc un récital à Mozart et Chopin. Elle est restée dans le fil rouge de son récital. Elle salue le public du studio 4 de Flagey. Et un amoureux transi qui lui a redonné les fleurs. Bien sûr.
Eliso Virsaladze, qui rééquilibre son récital. Il y avait beaucoup de Mozart. Il vient de nous donner deux bis de Chopin, une mazurka suivie d'une valse. On dit jamais 203, hein, Pierre Solo, avec un peu de chance. En tout cas, on va rester attentifs parce qu'elle a bondi sur ce clavier pour jouer cette valse comme un fauve sur une proie. Elle était déchaînée, complètement déchaînée, comme le public a ici à Flaget, debout, qui s'est levé d'un seul homme pour applaudir la pianiste géorgienne qui remonte à petits pas, quand même, 82 ans, quelle vigueur. Elle remonte, elle redescend après avoir aligné ce récital tout à fait exceptionnel, hein, vraiment. C'est beau, Cécile, quand on a l'impression de vivre un moment qui est quand même un moment d'anthologie, en fait. Ah, c'est même pas l'impression, c'est un moment d'anthologie, oui. Je vous le confirme. Et de participer à ces instants-là, à cette vibration, à ce qui s'est joué ici ce soir avec Eliso Virsaladze. Et cette leçon de liberté musicale, vraiment. Enfin, j'en suis encore vraiment très marqué. La voici qui revient encore saluer le public du Studio 4 qui est debout. Tout le monde est debout, le studio est plein, la salle est remplie. Et cette fois-ci, elle ne descend pas les escaliers. Donc soit elle se met à l'orgue. Ou elle va chanter. Soit elle se met à chanter. Mais en tout cas, ça ne sent pas le troisième bis. Elle a montré les escaliers au public en souriant. Elle dit non, je ne redescends plus. Et elle ressort. Eh bien, c'est un festival, c'est Flaget Piano Days qui termine en beauté avec ce récital d'Eliso Virsaladze. C'est vrai qu'il y a eu une...